C'est un leader incontesté de la gauche qu'est apparu François Bonneau sur la scène, acclamé par l'ensemble de l'assistance, écologistes, communistes et socialistes, qui affichent leur union. À eux tous, ils ont rassemblé plus de 47% des voix du premier tour. Chacun s'en est félicité. Mais François Bonneau fixe l'objectif du deuxième tour au-dessus des 50% pour transformer l'essai, dit-il. La majorité de demain, elle sera le reflet d'une majorité dans la région. Quand j'entends le candidat de l'UMP, M. Novelli, dire que finalement nous utiliserions l'extrême droite pour parvenir à la responsabilité de la région, je n'accepte pas, je ne tolère pas ces propos. Chacun des représentants des trois groupes s'en est pris à la politique nationale de Sarkozy. Tous également sont déterminés à aller chercher de nouvelles voix chez les abstentionnistes du premier tour. Et puis bien sûr, il a été question du programme commun axé autour de trois thèmes majeurs, l'emploi, l'éco-région et la solidarité. Il en ressort 15 propositions fortes provenant de chacun des programmes. Nous avons obtenu que 20% du budget agricole de la région soit désormais consacré à l'agriculture biologique. Sur la question de l'énergie, le plan climat régional sera extrêmement ambitieux. Il se fixe comme objectif la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Mais à l'heure du symbole de l'union que certains souhaiteraient d'ores et déjà durable pour les prochaines échéances électorales, les écologistes comme les communistes ont néanmoins insisté sur leurs particularités. Il y a aussi des projets sur lesquels nous avons des diversités d'appréciation. Je crois que les uns et les autres, eh bien, nous continuerons à agir également avec la volonté de faire entendre ce que nos électeurs nous ont dit au cours de cette campagne. De la compétition du premier tour à l'union du second, la gauche a resserré les rangs pour la photo de famille. Une famille bien déterminée pour l'heure, je cite, à renvoyer Hervé Novelli à son secrétariat d'État.